Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je sais plus quelle date, le 19. Aujourd'hui, ça sera pas un vlog que je vais vous faire. Là, vous voyez, j'ai la moitié de la face, mais ça va être un haul Costco. J'arrive tout juste du Costco avec les deux pitounettes parce que finalement, la garderie était fermée hier, aujourd'hui. Fait que j'avais, mais je fais dur, mais c'est pas grave. Fait que je vais vous montrer mes petits achats du Costco, puis la commande. On a reçu un petit colis par la poste, puis je vais recevoir. Pour commencer, on y voit la petite binette ici. Pour commencer, j'ai acheté des chocolatiers, des bananes. À 1,99 la banane, le paquet de bananes, on en profite. Hein. Du vino tinto, du vin rouge. On va goûter ensemble tantôt les Yum Yum ondulés wavy au bacon. Ensuite, de la laitue, puis c'est de la mélange printanier. J'y allais surtout pour les pyjamas du Costco parce que je les trouve tellement beaux. J'ai pris un 3 mois comme ceci pour Laura. C'est comme des machines de boules de gomme. Hein. Puis j'ai pris un 6 mois pour un peu plus tard. Les petits papillons. Ça m'a coûté 267 $. Une bouteille de vin blanc était vraiment pas cher. Du liquide à vaisselle, c'était 7,99 $. Puis c'est du Kirkland. Il y en a 3 dedans. J'ai acheté des carottes. Je voulais acheter pas de légumes. Des biscuits pour des lunchs, des croquettes de poulet, avant que je fasse un dégât, des pommes, des pommes en tout, j'allais surtout pour des pommes en tout parce que c'est tellement bon. Ma fille, elle aime pas ça, mais moi j'aime ça. J'en ai pris deux paquets, il y en a deux paquets. Des ferrons brocolis. Il y avait d'autres pour moi, mais celui-là, il revenait vraiment moins cher. Il était 9,99 $. Je vais te le donner tantôt. Tu peux pas le mettre, il est brisé, il faut le réparer. Il faut le réparer avant. De la pomme cetarte. Je vais en mettre un paquet en haut, un paquet en bas, parce que peut-être que demain soir, je vais faire des pâtes Alfredo à la pomme cetarte. Des pois mange-tout. Des pois mange-tout. Des yogos. L'autre paquet de pois mange-tout. Ma fille a été sage. Des pâtes douces. De la mayonnaise. De la vanille. Des graines pour pépère. Un mélange de sucré et épicé. Il aime ça. Des cocombes. Des framboises. Le ketchup était en spécial à 2,97 $. Ils sont en vide, là, les plats, là. Mais c'est du ketchup fait au Canada. Même au Québec. 2,97 $, on va en profiter. Ensuite, du beurre, parce qu'il était 4,95 $. Des tranches de fromage. Et un caprice des yeux. Voilà pour notre petite épicerie. Ça doit être les trucs de poubelle à couche. Ouais, c'est ça. C'est les trucs de poubelle à couche. Puis il reste le lait à recevoir. Coucou à tous! Je viens de vous présenter mon haul Costco, mais là, on va faire un tasty test. On va goûter à des chips au bacon. Bacon. Bacon, ouais. Fait que c'est comme ça. C'est méga sac. C'est 5,99 $. D'habitude, j'aime ça, les chips au bacon. J'aime ça, les sacs du Costco sont immenses. Ça ressemble à ça. Attends, maman. Attends. Un, deux, trois, go! Ça va.
Elle sont vraiment savoureuses. Elles sont bonnes? Oui. Une bonne. Une bonne. Un bon? Une bonne. Elles sont vraiment bonnes. Vraiment. Je pense qu'on nous vole au poteau. Peut-être. Mais je les ai pas vus. Mon père accroché là la dernière fois quand je suis allée. Ben, ils sont, on dirait qu'ils sont pas trop forts. Ma fille, elle les aime aussi. On dîne avec des chips. On va les mettre de côté. Faut pas toutes les manger, hein? Vraiment bonne. Fait qu'on va les mettre de côté, je vous les conseille. Vraiment. On se reparle plus tard. Ciao la gang!